Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va super et pour cette toute nouvelle vidéo extraordinaire, oui, ça fait assez longtemps que j'ai rejoint le club de BFA, oui, de Free BFA. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis dans le club de BFA. Tout simplement, après je vais essayer de retrouver alors le BFA, voilà, Free BFA. Donc nous sommes dans son club. Donc en fait, il a créé le club, une sorte de petit lancement pour pouvoir qu'on puisse jouer ensemble et tout ce qui va avec. Donc c'est vraiment génial. Et là, donc j'ai réussi à rejoindre son club. Donc on peut faire des games avec lui tout simplement dans les vidéos. En fait c'est une sorte de concept, on peut faire des games. Donc voilà, c'est vraiment un truc extraordinaire. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai lancé un petit compte. Voilà, je me suis pas sorti assez mal quand même là. J'ai un peu des... en rang 14. Bon après c'est vrai, j'ai pas beaucoup rush sur ce petit compte. Donc on va essayer de faire en même temps que BFA un petit, on va dire, une sorte de série où on va essayer de rush ce compte à max. Donc voilà, 450 TR, on est objectif débloquer Jesse. Après on va essayer d'avoir au moins notre petit broc au 1000 TR. Allez, bah c'est parti, on va essayer de jouer un maximum. Donc vraiment c'est génial, comme vous pouvez le voir, on est 100 sur 100. Voilà, il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui ont déjà 9000 TR, donc c'est un truc vraiment de malade. Tout le monde essaie de rusher à max le club. Moi je crois que je suis vers 60 ou 80, peut-être, je m'en rappelle plus. Ouais, 79. Donc bah voilà, je suis quand même dans les derniers, mais tout le monde, comme vous pouvez le voir, sont ultra actifs parce qu'en fait, BFA, ils enlèvent les inactifs, donc tous les gens qui sont, comment dire, qui jouent pas, enfin, si, qui se connectent. Donc voilà, il y a des gens vraiment qui, comme vous pouvez voir, FreePG, il avait que 16 TR. Donc bon, moi, on a quand même essayé de rush un peu, donc on va faire quelques petits gameplays pour cette vidéo, voilà, et on pourrait essayer de monter le club de BFA. Et peut-être un jour, je vous dirai, on fera une vidéo si on arrive à jouer avec BFA, ça serait vraiment extraordinaire. Allez, c'est parti. Et on est parti donc pour une game de solo plus. Voilà, vraiment, c'est, moi je trouve ça génial parce qu'en fait ça nous fait gagner des terres en plus du nombre normal. Et vu que là on est dans un niveau pas très haut, ça nous fait gagner quand même assez pas mal de trophées. Donc moi je trouve que c'est quand même un truc assez bien pour faire, voilà, les petits débuts. Mais bah par exemple là, le Poco, il s'est pas vraiment bien joué. Voilà, après, on tombe quand même sur des gens assez forts. Bon, par exemple, là, le Nita, il m'a vraiment auto-shot, mais sinon, c'est pas grave. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai gagné plus 1, mais plus 1, bien sûr, j'ai perdu moins 1 parce qu'en fait, je suis mort. Donc, à chaque fois qu'on meurt, en fait, tout simplement, ça nous fait perdre moins 1, donc moins 1 TR. Donc, par exemple, je sais pas, si vous ne mourrez pas, vous faites top 1 et vous faites... 5 kills, vous gagnez 15 TR, donc 5, les 5 kills, plus les 10 TR du top. Hein, donc vraiment, c'est que du plus, sauf si vous mourrez, sauf si vous mourrez tôt. Donc en fait, ce qu'il faut dans le solo plus, c'est vraiment faire faire top 1, hein, tout simplement. Top 1, vous n'avez pas de moins 1 et vous avez que du plus, et c'est vraiment, vraiment pas mal. Donc après voilà, c'est pour les gens qui font beaucoup de kills. Donc là, on fait souvent beaucoup de kills, quand avec des personnes qui sont pas, qui savent pas vraiment vraiment jouer. Bon, par exemple là, boum, j'ai volé son kill. C'est assez énervant, oui, les vols de kill, parce qu'en fait c'est comme si tu volais des terres. Donc là j'attends un peu pour me mettre à max partout dans les munis aussi. Bon, déjà elle sait très bien que voilà, c'est un espoir perdu à part si elle part pas. Voilà, elle sait très bien que j'ai la distance. Ouh là là, purée. J'ai très mal joué l'ulti là. Vraiment. Et moi je vous dis, le level, il a vraiment augmenté le niveau des personnes qui ont moins de TR. Parce que en fait, il y a beaucoup de gens qui recréent des comptes. Et donc ils ont un gros niveau quand même. Pour recréer un compte, c'est pas rien. Après, à part pour les petits concepts BFA et tout ce qui va avec. Mais sinon, voilà, c'est quand même quelque chose de recréer un compte. Donc il y a des gens qui font ça. Et c'est pas vraiment des nuls. Oh là là. Là, j'ai très mal joué avec le Primo, il va sauter dessus. Ah non, il s'est un peu planté, je crois. Ah, il s'est bien planté. Bon, déjà, j'en ai 5, j'ai un peu de... Voilà, c'est vrai, il en a 2, j'en avais 5. Il aurait pu venir. Là, si j'aurais pas utilisé mon ulti, je serais mort. Mais donc, voilà, faut... Parce qu'après, là, j'ai une Chili, elle en a 8. Je sais que j'en ai que 6. Mais moi, j'ai la distance, donc elle sait très bien qu'elle pourra pas me tuer. Enfin, à part si... Oups, bon, là, je me suis vraiment planté. Si j'aurais utilisé mon ulti plus intelligemment...
Bon, c'est très bien si elle y va, meurt. Voilà, donc là, tout simplement, j'ai essayé de remettre, voilà, 7, 8. Donc, elle sait très bien que, bah, que j'en ai presque autant qu'elle. Et surtout que j'ai la distance en plus. Donc, j'en ai peut-être un de moins, mais j'ai la distance. Et donc, bah, c'est très bien que c'est une cause perdue. Sauf si elle me défonce avec son ulti. Et là, bah là, je peux rien faire. Voilà. Bon, donc là, donc, j'en ai 4. Et je n'en perds pas. Donc, j'en ai tout simplement 14. Et voilà, c'est vraiment très cheaté ce mode. Donc, comme vous pouvez le voir après, voilà, on rush avec des petits comptes. Le level, il est un peu en dessous et tout ce qui va avec. Mais je trouve que c'est pas mal. Les petits pack opening. Donc, bon, là, on a quand même débloqué pas mal de brawlers sur ce petit compte. On va essayer de même de faire peut-être une série pack opening. Donc, allez, dernière game de survivant solo. Voilà, donc, je vous ai montré. Bon, après, si vous voulez savoir quelques petites techniques, vous pouvez aller voir d'autres vidéos qui expliqueront toutes ces techniques en solo. Moi, pour moi, en fait, ce solo là faut pas camper, ça sert à rien. Il faut vraiment qu'on rush directement. Donc, en fait, tout simplement, il faut que vous ayez le plus de kills. Donc, essayez de prendre un brawler adapté à la map comme d'habitude. Bon, moi j'ai pris Colt parce que j'ai envie de le rush Colt tout simplement. Et je sais que les gens ils ont pas un level ultra haut, donc ça va être assez facile de gagner. Mais voilà, après, pour voilà, il faut prendre un brawler qui fait beaucoup de kills. Par exemple, un Poco, ça sert à rien de prendre un Poco en survivant solo d'une, mais surtout en plus parce que en fait, bah, il y a personne à soigner et bah ça va, il va pas vous être utile vraiment le Poco, à part si vous voulez cramper, mais là c'est pas vraiment le but de du survivant plus, on va dire. Ah, donc lui déjà il sait, ah non il sait, j'aurais cru qu'il m'aurait tiré dessus, donc ça aurait été intelligent de sa part. Bon, déjà, on a des gens qui sont pas mal parce que quand même ils se cachent derrière les caisses, ils savent un peu jouer. Donc moi je dis qu'ils sont vraiment bon, ils sont pas nuls, ils sont pas extraordinaires aussi, mais ils sont quand même pas mal. Donc déjà on a un Colt, on a une Shelly. Bon, on essaie de se faire la Shelly, non. Bon, le Colt s'il vient, ouais. Bon, déjà là on commence à jouer avec des gens qui sont pas vraiment trop nuls en fait. Donc moi je trouve que c'est pas mal parce que ça augmente un peu le level, tout ce qui va dans. Voilà, bon. Moi j'utilise un peu mon ulti n'importe où, mais en fait comme vous avez compris, le but c'est pas vraiment de faire le top 1, enfin si, mais c'est surtout de, comment dire, de gagner en fait, enfin de faire le plus de kills. Donc déjà, bah c'est très bien qu'elle a pu le truc, et après boum, j'ai juste à la finir. Ah là là, le pré-shot, j'aurais bien dû utiliser mon dernier pré-shot là. Et boum, et voilà. Donc bah voilà, j'ai gagné 3, j'ai gagné 13, donc j'ai gagné 13 trophées. Et ça monte très très vite comme ça. Donc vraiment, c'est le truc que je vous conseille un max. Donc bon bah voilà, là j'ai déjà mon rang 15. Voilà, c'est pas mal. Donc bah moi je vous conseille vraiment de go rush le solo, le survivant plus. Bon bah voilà, donc c'est fini pour cette petite vidéo. Vraiment, je suis très content du BFA, là, du petit club de BFA qu'il a fait. Donc bah si j'arrive à jouer avec BFA, voilà, s'il y a une place dans le club, bah Tata Ginette, voilà, dès qu'il y a une place, demandez vraiment le plus vite possible. Voilà, voilà. Bon, après, ils refusent tout le monde, ils en acceptent quelques-uns, mais vraiment, donc demandez si vous voyez qu'il y a un peu de place, parce que des fois ils en excluent. Allez, voilà, je vous mettrai un deck, par exemple, je sais pas, dans le Discord, vous me mettrez un screen du club et dire oh bah vite, dépêchez-vous, il y a 20 places, rejoignez un max. Mais aussi, faites attention parce que bientôt le club seront limités à 30, donc bah bien évidemment, ils prendront les 30 premiers. Et moi, comme je suis dans le cas, bah voilà, faut que j'arrive à environ 1600 trophées. Voilà, bon, 1600 trophées avec tout ce qui est école et tout ce qui va avec. Moi, je pourrais jamais là, donc je vais peut-être être banni du club. Mais voilà, c'est pour ça, on va essayer de profiter un max. Voilà, d'essayer de jouer avec BFA et tout ce qui va avec. Bon, bah voilà, c'est fini pour cette vidéo. Bah, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Donc, bah, n'hésitez pas à essayer de le rejoindre le plus rapidement possible, ce club. Donc, bien évidemment, il faut avoir moins de 200 trophées, et bien évidemment, il faut avoir le pseudo free, je crois que c'est expliqué. Voilà, donc vous pouvez venir au 200 trophées max et avoir un pseudo qui commence par free obligatoire. Et voilà, donc après, on peut le rush dans le club. Donc bah voilà, donc à plus pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir liké, partagé et de vous avoir abonné. Allez, ciao.